travaille sur la question de la dignité dans les révoltes à partir de micro-terrains, de petits terrains de recherche sur toute la face sud de la Méditerranée, donc de la Syrie au Maroc. Et plus on avance dans cette recherche, et puis on s'est rendu compte que cette question de la dignité, elle était très difficile à saisir par du macro, par des grandes idées, par des grandes comparaisons. Et que quand on faisait ça, on aboutissait toujours en fait à parler non pas des révoltés, mais du système, de l'État, faire des typologies en fait. Et donc pour échapper à ces typologies, il fallait entrer encore plus dans les terrains et aller vers des choses qui sont en fait des choses à la fois émotionnelles et matérielles, c'est-à-dire sensibles. Et on pouvait tout à fait travailler avec du texte uniquement, mais on a commencé par une sorte d'exercice, comme un jeu, à travailler sur des cartes, en se disant que cette approche matérielle de la dignité pouvait correspondre à une approche matérielle du sensible auquel sont confrontés les révoltés sur leur propre terrain de vie. L'idée générale, c'est que qu'est-ce que c'est que la revendication de dignité ? C'est la revendication d'une vie digne. Il y a une opération de réduction plus que de simplification, je pense, qui s'opère, mais qui vient après avoir beaucoup développé de données. En fait, une carte, elle est construite sur un ensemble de données, un peu comme un article, mais peut-être de manière un petit peu plus réductionniste. Et elle permet de faire apparaître des choses que par l'écriture, on ne fait pas forcément apparaître. Alors, c'est intéressant que vous disiez que ce soit fait pour des enfants ou aussi parfois par des enfants. Il y a quelque chose aussi d'enfantin dans le geste même de passer par le dessin. Et puis dans le choix qu'on a fait aussi, alors pas tous, parce qu'il y a des cartes qui sont numériques et qui sont élaborées autrement, mais on a aussi fait le choix de travailler avec des outils relativement simples. Hein. Il y a des collages, il y a du dessin au crayon, au pastel, il y a de l'aquarelle. Et ça, c'était aussi une façon de pas sortir aussi de notre sujet. C'est-à-dire que c'était très difficile de parler de la vie simple en allant chercher des choses trop complexes, y compris sur les supports. On a de temps en temps fait des choix un tout petit peu plus, j'allais dire chic, pour certaines cartes. Mais la plupart du temps, on a travaillé sur des supports très simples, quoi, du papier canson aquarelle, du papier, du carton, des choses comme ça. Parce que ça nous semblait aussi étrange de construire quelque chose de trop léché, alors qu'on était en train de travailler sur des matières qui, elles, sont beaucoup plus simples. Finalement, le réveil et l'endormissement, c'est comme des sortes de manettes qui sont aux mains d'un certain nombre de diffuseurs, de l'opinion publique, etc. Je crois qu'à partir du moment où s'était construit ce récit sur l'ascension des islamistes, etc., on avait une lecture qui opposait en permanence les modernistes et les islamistes, la sécurité et l'anarchie, etc., etc., renforcé évidemment par la guerre civile algérienne, enfin bref, tout ce qu'on sait sur ces contextes-là. Et il me semble que ce qu'on a vu comme un réveil, c'était une autre conjoncture qui s'est déclenchée en 2010-2011, qui est venue quand même ramener sur le devant des questions très similaires. Hein, je veux dire, un vendeur ambulant, sa capacité, en fait, la capacité de vie possible dans nos contextes face à un pouvoir qui, cette fois-ci, avait installé non seulement un régime autoritaire, mais un régime de clientèle extrêmement développé, qui mettait chacun et chacune à la merci de sa capacité à s'insérer dans un réseau de clientèle ou pas. T'es protégé ou t'es pas protégé. Et cette question de t'es protégé ou pas protégé, ça va être la nouvelle question
qui en 2010-2011 apparaît, quoi. Apparaît. C'est pas un réveil, c'est plutôt une forme de disruption dans un système. Disruption dans un système qui fait que moi je suis entièrement, enfin je suis assez convaincue du fait qu'on, comment dire, on se soulève contre des régimes autoritaires, pas parce que c'est des régimes autoritaires, ou parce que genre, y a une idée de la liberté ou de la justice qui va faire qu'on va se soulever. Il y a un moment où on peut faire avec le système ou on ne peut pas faire avec le système. Donc à partir du moment où le système n'est plus en capacité d'avoir une clientèle suffisamment satisfaite autant que possible, ça se rompt, le contrat se rompt. Alors évidemment, il y a aussi tous ceux qui étaient déjà dans le viseur, quoi, qui étaient déjà réprimés pour X et Y raisons par le régime. Mais tous ceux qui en réalité étaient quelque part à l'intérieur, tout en n'étant pas vraiment à l'intérieur, ils auraient pu continuer à supporter le caractère autoritaire du régime, etc. Simplement, là aussi, c'est une affaire de promesses non tenues ou de contrats non remplis, hein, par le régime. Et à mon avis, ça explique aussi pourquoi la formulation de Sawrat al-Karam, hein, mais aussi la formulation d'une revendication de lutte contre la corruption, hein, ce grand mot qui est toujours là, qui paraît un peu facile, je dirais. En même temps, il veut dire tellement de choses. La corruption, ce n'est pas juste les gens qui volent de l'argent, c'est aussi les gens qui ne redistribuent pas comme ils devraient redistribuer. C'est aussi tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas fait. Ou alors, cette grande question de savoir si on doit lutter contre l'économie informelle. L'économie informelle, c'est l'essentiel de l'économie. Donc, en quelle mesure elle est informelle et dans quelle mesure elle sert à un système d'échange, justement, entre clientèles. Donc, c'est toutes ces questions-là, à mon avis, qui ont été mises au jour en 2010-2011 et qui ont permis, en tout cas, fait que c'était plus possible, quoi. Que c'était devenu intenable. Et après, c'est avec la révolution, me semble-t-il, que d'autres choses accèdent ou viennent au jour. Voilà. Et là, liberté, injustice, etc. La Palestine, elle est présente dans le projet de manière indirecte, à travers le centre de recherche de l'OLP qui était à Beyrouth. Mais on avait un problème, c'est qu'on avait défini le contexte de notre étude par la question du postcolonial, donc des régions et des États postcoloniaux. Or, comme on le sait, hein, la Palestine est toujours occupée. Et donc, c'était très difficile d'envisager les luttes palestiniennes comme faisant partie de quelque chose qu'on pouvait comparer avec le reste des régions qu'on étudiait. On a fait entrer la Palestine forcément parce qu'elle est entrée à travers les luttes dans les différents pays. Ça ne pouvait pas tellement être autrement parce qu'on, voilà, c'était une question qui venait de toute façon forcément, avec toutes les ambiguïtés d'ailleurs, parce que la question palestinienne introduit un vrai trouble dans notre capacité à comprendre ensemble les révolutions arabes. Parce qu'elle a mis en jeu l'anti-impérialisme à l'échelle globale comme clé de lecture, notamment des mouvements de la gauche arabe. Et cette question de l'anti-impérialisme, elle a été très secouée par les révolutions arabes. C'est-à-dire que la capacité, par exemple, de se solidariser avec la révolution en Syrie a été très déterminée par le fait que l'État syrien, enfin l'État assadien, a beaucoup instrumentalisé la question palestinienne, tout comme le Hezbollah, bien sûr, qui est venu en appui. Donc géopolitiquement, la Palestine a fracturé très très largement l'opinion publique arabe, et notamment l'opinion publique de gauche arabe, jusqu'à aujourd'hui, hein, avec des vraies secousses, quoi. On a des changements d'alliance très très forts, donc on ne peut pas l'éviter, et en même temps c'est un cas très spécifique, évidemment. C'est qu'il ressorte de ce travail l'idée d'une communauté de destin, le fait qu'il y ait des échos entre les régions,
Le fait qu'il y a des situations vécues qui sont, par exemple, décrites en Algérie et qu'on reconnaisse en Tunisie, en Palestine ou en Syrie. Il me semble que c'est le pari de ce travail qui est hyper ancré dans des terrains très particuliers, mais qui vient raconter des trucs qu'on connaît tous. Et je pense que c'est une émotion qu'on a, pour la plupart, hein, pour ceux qui étaient là en 2010-2011, ressentie très fortement. C'est-à-dire que on nous disait, mais qu'est-ce qu'il y a d'arabe dans les révolutions arabes ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle nation arabe ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est cette espèce de communauté de destin qui tient à des petites choses qu'on reconnaît et qui ne peuvent pas être juste dites, enfin, qui ne peuvent pas être résumées par le fait que les régimes se ressemblent, par exemple. You